déjà t'es trouvé dans une situation où tu veux bien, mais tu ne peux pas. Alléluia. Notre Dieu n'est jamais lié dans une telle situation. Quand il veut, il peut. Alléluia. Quand il veut, il peut. Il n'est pas limité. Amen. Alléluia. Battons nos mains pour ces gens. On va prendre un moment pour prier pour la sœur qui va être Jérôme. Juste prendre un moment pour élever la sœur Jérôme en prière. Alléluia. Si nous pouvons élever nos voix, pour moi tous ensemble. Seigneur, Régis.
Le frère, moi c'est la première fois que je vous vois, c'est la première fois aussi le lundi soir. C'est le frère David. Non, au nom de Jésus, il s'appelle David. Oui. Donc, directement, moi je déclare le droit paternel. Mon fils s'appelle David. Amen. Donc, quand j'ai dit quelque chose, j'ai dit oui, papa. Gloire au nom de Jésus. Je vois quelqu'un qui essaie de se cacher en arrière d'un bébé là. Là derrière, c'est la sœur Déborah qui est là. Content de voir aussi le bon vieux Marc de retour. J'allais le mentionner hier, mais j'ai oublié dans le service. Il s'est là échappé. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis content d'être là. Je ne sais pas pour vous, vous n'avez pas l'air, mais moi, je suis excité. Je n'ai pas l'habitude d'une place où les gens vont se trouver lundi matin. Pas le soir, je suis déjà parti. Tu ne peux pas me le dire en douceur. Essaye-moi. Attends, tous mes exemples. Et aussi, tu dois être le diable. Alléluia. Alléluia. Mais c'est toujours bon. Tu sais, ce n'est pas une place où les gens se retrouvent d'habitude, hein, lundi soir, dans la maison de Dieu. Mais nous ne sommes pas comme tous les autres. Alléluia. Nous aimons tellement ce Dieu. Nous aimons tellement ce Dieu. Et alléluia. Et nous sommes là et nous allons continuer aujourd'hui avec notre étude sur l'exploration de la parole de Dieu. Là, nous avons vu comment l'homme a été mis hors du jardin après avoir péché. L'homme et la femme sont maintenant hors du jardin et Dieu a prononcé les quatre malédictions. Nous avons vu les quatre malédictions sur le diable, sur la femme, sur la terre, sur l'homme. Et nous avons appris beaucoup, beaucoup de leçons de vie là-dedans. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Donc, l'homme et la femme sont en dehors du jardin. Mais la vie était maintenant différente en dehors du jardin. Dans le jardin, ils avaient tous les arbres fruitiers lesquels ils pouvaient manger. Mais là, dehors, maintenant, ils doivent labourer, ils doivent cultiver la terre pour leur survie. Et cette terre, maintenant, qui est maudite, et qui produit des épines et des ronces. Maintenant, l'environnement était complètement différent et nous allons les retrouver. Nous avons lu les derniers versets de Genèse 3. Et là, on va aller à Genèse 4. Là, Adam et Ève sont à l'extérieur du jardin. Genèse 4, chapitre 4, verset 1 à, on va aller lire, jusqu'à 7. La Bible dit, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Ça c'est verset 7. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte,
et ses désirs se portent vers toi, et toi domines sur lui. Alléluia. Donne-nous 8 stacks à faire. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Et le tua. C'était le premier meurtre de l'humanité, de l'histoire de l'humanité. C'était la toute première guerre mondiale où un quart de la population mondiale a été décimée. Quel carnage! Ce n'est pas tout à fait ça. Amen. On va se calmer, on va retourner aux écrits. Alléluia. Amen. Bon, maintenant, décortiquons ceci et la parole de Dieu va nous parler encore une fois. La Bible nous dit, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn et il dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Maintenant, il y a plusieurs choses qui sont dites au sujet de ces passages. D'autres essentielles, d'autres non essentielles. Vous savez, il y a certaines vérités que des fois, même si tu les découvres, ça ne te donne pas plus. C'est bon, ça chatouille les oreilles, bon, et puis c'est tout. Mais il y a d'autres vérités qui sont essentielles à la connaissance de la parole, à la compréhension plutôt de la parole de Dieu, et qui nous permet d'établir une certaine façon de la parole de Dieu. Et on va regarder un peu les deux dans ces passages. Amen. Donc ici d'abord, une première vérité essentielle. Adam connut Ève, sa femme. Et le connu ici, ce n'est pas « Bonjour, madame, je m'appelle Adam, comment vous appelez ?» Elle aussi dit « Ah, moi je m'appelle Ève. » Non, ce n'est pas ça. Il se connaissait déjà. Le verbe « connaître » ici, c'est « intimité ». Adam est devenu intime avec sa femme. Elle a conçu et elle a enfanté ce premier enfant qu'on appelait Caïn. Mais là, très important de souligner cela, parce qu'il y a une doctrine qui circule, ça et là, c'est appelé la doctrine de la semence du serpent. Et cette doctrine prétend que Caïn n'est pas au fait le produit de l'intimité entre Adam et Ève. Caïn serait plutôt le produit de l'intimité entre le serpent, le diable et Ève. Amen. Faux. Adam connut sa femme Ève. Allô? Tu n'as même pas à chercher un dictionnaire pour comprendre ce verset-là. Caïn n'est pas la descendance du serpent. Et cette doctrine pousse un peu plus loin. Et cette doctrine dit que, donc, si tu es de la lignée de Caïn, tu es condamné à aller en enfer. Peu importe ce que tu fais, tu ne peux pas être sauvé. Si tu es de la lignée de Abel, là, tu vas être sauvé. Peu importe ce que tu fais, éventuellement, tu vas être sauvé. Faux! Faux! Parce que nous allons voir un peu plus tard qu'avec le déluge, tous ceux qui se trouvent sur la terre sont de la même lignée. Nous descendons tous de Seth. Parce que quand Noé est entré dans l'arche, il n'y avait pas d'autre lignée. Il y avait juste Noé, ses trois fils, leur femme et la femme de Noé. Donc, par ce fait, il n'y avait que la lignée de Noé qui est descendue des sept, qui se trouve aujourd'hui sur la terre. Si nous reculons, nous allons nous rendre compte qu'arrivés à Noé, tous ici, nous avons le même arrière-grand-père, qui est Noé. Amen. Donc, vous êtes mes cousins et cousines. Amen. Donc, traitez-moi bien. Alléluia. Donc nous sommes tous descendus de Noé. Il n'y avait pas quelqu'un qui s'était glissé dans l'arche comme on vous le montre dans le film. Dans le film d'aujourd'hui là. C'est quoi le film? Un faux film. Noé, c'est ça? Oui. Comme un bandit se serait glissé dans l'arche. Même
n'importe quoi. Anyway, c'est tout seulement les Écritures. Donc, ça, il y a un autre principe qu'on avait établi dans la première leçon, qui démontre que Caïn n'est pas descendu d'Adam. Et c'est le principe de la sémence. Je ne sais pas si vous allez vous rappeler. Nous avons lu dans le premier chapitre que chaque plante ou chaque fruit portait la sémence à elle, amène selon son espèce. Et la sémence, c'est pour la reproduction. Et tu ne peux pas te reproduire en dehors de ton espèce parce que la sémence est donnée selon l'espèce. Tu ne peux pas prendre papa chat et maman chien et avoir des bébés. Or, le diable n'est même pas, oublie l'espèce, il n'est même pas de la même nature que l'homme. Ça ne marche pas, ce n'est pas, ça ne concorde pas, ça ne doit pas fonctionner. Donc, c'est ça. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Ça, c'était l'espoir. Au fait, Ève ici exprimait l'espoir qu'on retrouve dans Genèse chapitre 3, verset 15. Je ne sais pas si vous vous rappelez, nous avions parlé de la sémence de la femme la fois passée. Cette promesse qu'il y aura une sémence de la femme qui va écraser la tête du serpent et le serpent lui blessera le talon. Et quand Ève voit la puissance de Caïn, elle dit, j'ai formé un enfant avec l'aide de l'Éternel. Elle pensait que Caïn qu'elle a conçu n'était pas le produit de son intimité avec, avec Adam. En fait, elle espérait que c'était déjà le Seigneur Jésus-Christ. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Et tu peux voir cet espoir ou cette espérance à travers la tradition de l'attente du Messie depuis là. Tout à travers l'histoire biblique. On a toujours attendu le Messie. Jésus a l'art de se faire attendre. La première fois qu'il a dit qu'il venait, on a attendu 4000 ans avant qu'il n'arrive. Finalement, il est arrivé. Il a fait seulement 33 ans, il est parti. Après, il dit, je reviens. Et là, ça fait 2000 ans qu'on attend encore. Il a l'art de se faire attendre. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, le verset 2 nous dit, elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Maintenant, il y a de ces gens qui disent que Caïn et Abel étaient jumeaux. Moi, parce qu'il dit, c'est juste que Adam connut Ève et puis elle enfanta encore son frère. Moi, je ne crois pas. Ça n'a aucune importance. Tu peux croire qu'ils étaient des jumeaux et moi croire qu'ils n'étaient pas des jumeaux. Et puis on peut aller régler ça tous ensemble au ciel. Amen. Ça ne va pas te mettre à l'enfer. Mais moi, je crois qu'il y a eu un intervalle entre les deux parce que c'est quand Caïn est né qu'elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Et puis après, Abel est né. Moi, je pense qu'il y a un intervalle entre les deux. Ça, c'est juste. Comme si c'était important. Oubliez ça. Alléluia. Et la Bible nous dit, au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel a regardé l'offrande de Caïn. Il a dit, ah non, pas ça, je refuse. Il regarde l'offrande d'Abel, il dit, accepté. Et le débat est maintenant dans le monde aujourd'hui. Pourquoi Dieu a refusé l'offrande de Caïn et il a accepté l'offrande d'Abel? C'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste. On a eu toutes sortes d'enseignements là-dessus. Et comme vous voyez, comme ça illustre un peu la photo, on a vraiment fait exprès pour montrer que Caïn était pas correct. Son offrande est placée à même la terre pour commencer. Enfin,
J'ose croire qu'il avait fait quand même un hôtel au Seigneur. Je crois, je ne sais pas. Anyway, et Abel, tu sais, des pierres, un hôtel et son sacrifice, son offrande, tout est beau là. Même la position d'Abel, Caïn est comme. Mais, c'est ça, c'est de l'injustice. Mais non, regardez ceci. Dieu n'a pas refusé l'offrande de Caïn. Je voulais dire ceci. On nous a dit, oh, Caïn a offert juste des fruits. J'ai entendu cette expression une fois. Caïn a offert juste des fruits et des légumes chétifs. Moi, je ne connais pas des légumes chétifs. Non, il a offert tout ce qui n'était pas bon, de fruits et des légumes pourris et tout cela. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Malheureusement, la Bible dit qu'il a offert seulement une offrande des fruits de la terre. Ça ne parle pas de comment ces fruits étaient. C'était probablement des bons fruits. C'était peut-être les meilleurs fruits qu'il avait. Mais Dieu a refusé. Non pas parce que c'était pas de bons fruits, c'est pas ce que la Bible dit. Non pas parce que c'était des légumes jaunis, c'est pas ce que la Bible dit. Mais il y a une raison pourquoi Dieu a refusé l'offrande de Caïn. Et la seule différence entre les deux, c'est que l'offrande de Caïn n'avait pas de sang, l'offrande d'Abel avait du sang. Amen. Tu ne peux pas offrir en sacrifice quelque chose qui n'a pas de sang. Le livre de Paul nous dit que c'est on fait l'expiation du péché par l'effusion de sang. On ne rachète pas le péché avec les légumes. Caïn offre ses légumes. Et Dieu regarde cela et dit, non, je ne mange pas de légumes. Caïn dit, c'est tout ce que j'ai. Je lui dis, alors je ne mange pas, je vais aller manger chez ton frère. Là-bas, il y a de la viande. Alléluia. Alléluia. Vous voyez pourquoi on prend quand même la viande. Ah, il y a une question derrière. Oui. Récemment, moi, j'ai rencontré une sœur qui va dans une autre église. Mm-hmm. Puis elle me disait que Caïn, c'est comme le fruit du serpent, parce qu'elle aurait comme couché avec le serpent, et que c'est pour ça que Caïn était comme de l'ennemi. Non, c'est pas ça. Je l'ai mentionné peut-être juste une minute avant que tu rentres, j'ai parlé de ça. Oh. Aïe, aïe, aïe. Et c'est pas vrai tout ça, parce que la Bible nous dit au premier verset que Adam connut Ève. Justement, mais c'est ce que j'ai essayé de lui dire. Mais elle dit que c'est comme, vous voyez, des fois, là, il y a des femmes qui disent qu'ils ont couché avec un homme, mais en fait, ils sont restés enceintes d'un autre homme parce qu'ils ont couché par la suite avec un gars d'autre. Parce qu'elle dit, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut. Ouais. Donc, cette conception est le résultat de cette intimité. Ça, moi, c'est une chose. Oui, c'est ça qu'il faut croire. C'est ça qu'il faut continuer de croire. Et en plus de cela, un serpent ne peut pas avoir un enfant avec un humain. Mais c'est ce que je lui ai dit, mais c'est parce qu'elle a dit que le serpent, c'est Satan. Oui, mais Satan ne peut pas produire des humains. Imagine-toi si Satan peut produire des humains. Combien des humains on allait voir avoir aujourd'hui? Mais à quelqu'un comme ça, là, on répond quoi? Tu as déjà même voulu miser qu'est-ce qui est écrit, mais là, elle continue à croire. Elle dit que ça, c'est juste des personnes qui sont déjà sauvées qui peuvent avoir cette révélation-là. Non, tu vas juste prier pour elle. Parce que Dieu, si ça, c'était ça le cas, alors il n'y aura pas d'espoir. Parce que pour être sauvé, il faut qu'on ait la révélation. S'il faut attendre qu'on soit sauvé pour avoir la révélation, là, on est mal pareil. Parce qu'on est tous nés non sauvés. Donc, il n'y aura plus d'espoir pour comprendre quoi que ce soit. Tu sais, des fois, tu vas rencontrer des gens qui sont tellement liés à une doctrine
qu'il refuse de regarder la Bible. La Bible, c'est la source finale de toute connaissance si tu t'es dit chrétien. C'est parce qu'elle fait vraiment des gros débats, mais quand on essaie aussi de partir à chercher dans la Bible, elle n'est pas vraiment comme d'accord. Et là, elle commence. En fait, elle mélange un peu parce que là, elle a commencé à dire que c'était des jumeaux. Et qui se battait depuis le ventre, mais les jumeaux qui se battent depuis ça, le ventre, déjà. Ça, c'est une autre histoire. Ouais, mais c'est ça que je dis. Ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est complètement une autre histoire. Donc, invite là l'étude biblique, et puis elle viendra peut-être, on pourra partager un peu plus. Mais des fois, ben, écoute, si quelqu'un refuse de croire, tu évites le débat stérile, et puis tu dis, bon. Et puis tu vas prier. Parce que des fois, il faut juste dire, ok, c'est bon, la prochaine, et puis bon, on continue. On va se retrouver de l'autre côté. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à croire quelque chose. Si tu nies l'évidence de l'Écriture, si la parole ne te convainc pas, rien d'autre ne va te convaincre. Rien d'autre ne va te convaincre. Bon, merde. Au bout de quelques temps, je le disais donc, Caïn offre cela, Dieu dit non. Et la différence était le sang. Un sacrifice doit avoir du sang. Parce que c'est par effusion du sang qu'on fait expiation de péché. La Bible nous enseigne un peu plus tard, lorsque Dieu donne la pleine révélation, parlant de révélation progressive qu'on retrouve dans la Bible, que même si tu es pauvre, tu vas amener des tourtereaux ou des pigeons parce qu'ils ont du sang. Ça prend le sang pour expier le péché. Pourquoi est-ce que le sang est nécessaire? Parce que quand le sang est versé, c'est toujours un synonyme ou un symbole de la mort. Parce que le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Alors, pour couvrir un péché, il faut qu'il y ait la mort. Nous disons toujours, surtout chez nous en Afrique, où la passation de pouvoir s'est faite par force, nous disons des fois un coup d'État avec effusion de sang, ou coup d'État sans effusion de sang. Pourquoi? C'est une façon de dire coup d'État sans mort de personne, ou coup d'État et on a tué les gens. Donc l'effusion de sang est symbole ou synonyme de mort. Et quand le sang est versé, cela signifie la mort. Amen. C'était une question ou c'est juste que tu es dans ta main? C'est une question? Ok. Dans l'Ancien Testament, si quelqu'un se retrouvait comme dans un cadre où il n'y a pas d'animaux là où il est, mais qui voulait quand même avoir ses péchés pardonnés. Est-ce que s'il s'est coupé et puis le sang qui ça peut passer? Non, ça c'est pas une effusion de sang. Parce que quand il se coupe, il ne meurt pas. Mais quand on coupe la tête de l'animal, l'animal meurt. Il fallait que l'animal meure à la place de la personne. Et quand on se coupe et que le sang est versé, on ne dit jamais effusion de sang. Ça c'est pas une effusion de sang. Parce que l'effusion de sang, c'est un euphémisme pour ne pas dire la mort. Alors, on utilise ces termes pour être gentil. Donc, ça veut dire que si l'animal ne meurt pas, il n'y a pas d'effusion de sang. Dans le terme de l'expression, il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu mort. Parce que si on dit effusion de sang, c'est un euphémisme pour la mort. Tu sais, aucun sacrifice, trouve-moi un sacrifice dans la Bible où on coupait la patte de l'animal et on versait le sang. Non, on est gorgé. Amen. On est gorgé. Amen. Ne philosophez pas trop. Là. Amen. Juste, c'est clair ce que ça dit. Amen. Alléluia. Maintenant, regardez ça. Maintenant, Abel offre un sacrifice selon Dieu. Caïn offre un sacrifice selon lui-même. Et Dieu dit non, je ne prends pas. Maintenant, la question, la sous-question qui est engendrée par ceci, on dit Dieu est injuste. Qui avait déjà pensé à ça?
Pourquoi il a refusé l'offrande de Caïn? Il a accepté l'offrande d'Abel. Peut-être que Caïn avait donné son meilleur aussi. Et en plus, Caïn, il était laboureur. Où est-ce qu'il allait trouver l'animal pour donner un sacrifice? Il n'allait quand même pas se couper lui-même pour verser le sang. Non. Mais là, on va... Tu sais, quand tu veux justifier quelque chose, tu vas même commencer à refuser de voir l'évidence. C'était très simple. Caïn n'avait que à prendre ses légumes, aller voir son frère Abel. Il dit, oh, frangin, est-ce que tu peux m'échanger ces tas de légumes pour un mouton, parce que j'ai besoin de faire un sacrifice à Dieu. Et moi, je vous promets que Caïn allait accepter. Là, tu me demandes, mais pourquoi? Parce que si tu lis Genèse 1, regardez un peu avec moi, Genèse 1, ça c'est une révélation. Verset 29. La Bible nous dit, et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et toute herbe ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Ça sera votre nourriture. L'homme était végétarien. L'homme était végétarien. Il mangeait seulement des fruits et des légumes lorsque Dieu l'a créé. Donc, Caïn, plutôt Abel, avait besoin de fruits et de légumes. Alors, et là, on va dire, mais Caïn, il était laboureur, il n'avait pas de brebis. Mais écoutez, Abel, il est devenu berger. Pas parce qu'il mangeait de la viande, mais parce qu'il voulait rendre un culte selon ce que Dieu demandait. Tu sais, des fois, servir Dieu va demander que nous sortons de notre zone de confort. Nous ne pouvons pas servir Dieu selon nos circonstances. Nous pouvons regarder aux circonstances de Caïn et justifier son offrande. Mais cela n'est pas agréable à Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu selon tes circonstances. Tu vas servir Dieu toujours selon sa parole. Et des fois, c'est plus facile pour une personne que pour l'autre. Tu dis, mais Dieu est injuste. Non, Dieu n'est pas injuste. Dieu sait toutes choses. Je vais vous donner un exemple que je donne souvent. Tu sais, pour nous, presque la plupart d'entre nous ici, c'est facile. Nous venons tous peut-être des familles chrétiennes, on va dire, entre guillemets. Et quand nous venons à Dieu, nos parents sont contents. Des fois, c'est eux qui veulent et ils nous poussent à venir à l'église. Et quand nous venons à l'église, ils se réjouissent. Mais il y a d'autres qui naissent dans des familles musulmanes. Et quand ils doivent donner leur vie à Dieu, cela signifie littéralement le rejet de la famille si ce n'est pas la mort. Mais Dieu ne change pas le plan de salut pour eux. Le plan de salut reste le même. La grâce est la même pour nous tous. Mais suivre ou jouir de cette grâce peut coûter plus cher à une personne qu'à l'autre. Dieu a payé le même prix et nous allons le prendre gratuitement. Mais des fois, ça va demander plus à un qu'à un autre. Tout simplement parce que les circonstances ne sont pas pareilles. Mais on ne sert jamais Dieu selon nos circonstances. On sert Dieu selon sa parole. Nos circonstances ne justifient jamais. Que tout le monde dise jamais. Jamais. D'autres alternatives. Si ce n'est pas selon ce que Dieu a demandé, ça ne va pas fonctionner. Caïn a dit, je suis laboureur, je n'ai que des légumes. Et Dieu a dit, bon, tu vas aller manger les légumes toi-même. Je ne mange pas de légumes. Ça prend du sang. Nous ne pouvons pas servir Dieu seulement dans nos convenances. Nous allons servir Dieu selon la parole de Dieu. Et là, c'était le début de la religion.
La religion, c'est tout un ensemble de rites, de cérémonies que l'homme s'octroie pour se sentir, pour apaiser ou, sa conscience, en fait. Mais Dieu ne recherche pas la religion. Ce que nous devons rechercher, ce n'est pas la religion, c'est le salut. Et le salut va venir par une relation, non par une religion. Nous devons être en relation avec Dieu. Nous devons rechercher le salut. Et le salut, c'est le plan de Dieu pour l'homme. La religion, c'est le plan de l'homme pour, soi-disant, atteindre Dieu. Mais ça ne marche pas. Quand nous allons être sauvés, quand nous allons nous retrouver au ciel, Dieu ne va pas nous demander de quelle religion nous étions. Dieu va nous demander si nous avons obéi à sa parole. Vous savez, il y a toutes sortes de religions. Et celle-ci, c'est la bonne. Je ne me rappelle plus, j'ai entendu cette histoire il y a très très longtemps. Il y a une église, et les deux églises sont presque sur la même rue, côte à côte. Une église qui s'appelle... Qui est né suite à un débat. Et le débat parmi ses croyants était, est-ce que Adam et Ève avaient-ils le nombril ou pas? Et là, il y avait un groupe qui croyait que Adam et Ève avaient le nombril, et l'autre croyait qu'avait pas de nombril, et ils se sont divisés là-dessus. Là, il y a celle-ci, c'est les chrétiens des nombrilés, blablabla, et l'autre, c'est l'église unie des non-nombrilés, quelque chose. Mais nous n'allons pas servir Dieu selon nos circonstances, nous allons servir Dieu selon sa parole. Quand nous arrivons face à la parole de Dieu et que nous voyons que ça dit ça et que nos circonstances dites autre chose, nous allons changer nos circonstances pour nous adapter à la parole de Dieu. Nous n'allons pas changer la parole de Dieu pour l'adapter à nos circonstances. Amen. Alléluia. Et l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Et Caïn fut très irrité, son visage fut abattu. Et certaines personnes vont dire, mais peut-être que Caïn ne le savait pas. Écoutez, je ne sais pas pourquoi des fois, il y a des gens qui vont toujours chercher à justifier l'erreur. Moi, je n'aime pas justifier l'erreur. Il faut corriger l'erreur, il ne faut pas justifier l'erreur. Une première réaction quand tu vois quelqu'un en erreur, ce n'est pas de comprendre, c'est de corriger. Peut-être que Caïn ne savait pas. Il le savait. Et on peut le démontrer avec la parole de Dieu que Caïn savait exactement ce qu'il fallait faire. La première des choses, c'est par déduction. La première déduction, c'est que ces deux jeunes ne se sont pas levés un matin et puis ils se disent, on va jouer à offrir le sacrifice. Non, ils l'ont fait parce qu'ils ont été instruits, parce qu'ils ont été enseignés à le faire. Amen. Ce n'est pas un jeu que tu inventes un beau matin. Allô? Amen. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, s'ils ont été instruits là-dedans, qui les a instruits et pourquoi est-ce que Caïn n'avait pas la bonne instruction? Leurs parents les ont instruits. Ils ont appris ça des seuls humains qu'ils ont trouvés sur la face de la terre. C'est-à-dire leurs parents. Amen. C'est Adam et Ève qui ont expliqué à Caïn et Abel qu'il faut offrir un sacrifice. Mais attendez, où est-ce que eux, est-ce que Adam et Ève eux-mêmes savaient-ils qu'il fallait offrir un sacrifice? Oui, ils le savaient. Et l'enseignement est puissant. Regardez ceci. Quand ils ont... D'abord, le sacrifice, c'est pour couvrir le péché.
Amen. Allô? Mais là, quand ils ont péché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez, le verset 7 du chapitre 3. La Bible dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. La première réaction qu'ils ont faite après avoir péché, c'est qu'ils ont pris des feuilles de figuier pour se couvrir. Les feuilles de figuier, ce sont des légumes. Et on a vu la dernière fois que ça n'a pas marché cette affaire. Ils ont pris des légumes et des végétaux pour couvrir leur nudité. Ça n'a pas fonctionné. Et le verset 21. La Bible dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. L'Éternel fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Et il les en revêtit. Et il a pris la peau d'animal. Mais pour qu'il y ait une peau d'animal, il aurait fallu que des animaux soient tués. Et c'était là le tout premier sacrifice qui a été fait pour l'homme, ça a été fait dans le jardin. Vous savez, j'ai été l'année passée visiter devant le musée. Je vous dis, je vous le conseille, je vous exhorte, si vous avez des vacances et que vous pouvez aller aux États-Unis, allez à Cincinnati, il y a deux choses que vous devez voir. Il y a le Bible Museum, c'est la musée de la Bible, et puis il y a le Ark Encounter. Ils ont reconstruit l'arche de Noé à grandeur normale. J'y étais allé l'année passée, je pense que je vais encore y aller cette année parce que c'est phénoménal. Et quand ils ont fait vraiment, c'est tout un village où ils ont, ils ont creusé scientifiquement et ils ont démontré toute la Bible. Et ils ont fait, ça te prend au moins deux jours pour visiter tout ça. C'est phénoménal, phénoménal, phénoménal. Et quand on est arrivé à une place où ils ont fait vraiment des statues, c'est comme si c'était des hommes, des bonhommes mécaniques qui bougent même, et pour illustrer cette scène de sacrifice où Adam et Ève, finalement, on offre un sacrifice pour eux, il y a deux animaux sur l'autel, et regardez, ils ont été fidèles. Ces animaux, on a enlevé leur peau. Ça m'a frappé, j'étais comme, waouh! J'ai dit aux enfants, regardez, il y a un détail frappant dans la scène ici. Et ils ont regardé, ils disent, papa, c'est quoi? Je ne sais pas s'ils avaient trouvé, mais c'est phénoménal. Les animaux n'avaient pas de peau. On a enlevé la peau des animaux. Extraordinaire! Le premier sacrifice, écoutez, Adam et Ève, quand ils ont essayé les légumes, ça n'a pas marché. Dieu leur a donné des vêtements, des peaux, et c'est la seule chose qui a pu les couvrir. Déjà, le symbolisme nous indique, Adam et Ève savaient que ça prenait un sacrifice animal, et c'est ce qu'ils ont enseigné à Caïn et à Abel. Maintenant, des fois, les gens vont me dire, mais alors, comment expliquer que Caïn n'a pas fait ce qu'il devait faire? Je dis tout simplement, dans une classe, il y a toujours ceux qui réussissent et ceux qui échouent la classe. Même professeur, même livre, même enseignant, même tableau, même exercice, même clé, il y en a toujours qui passent et il y en a toujours qui échouent. Oui. Moi, je pense que le sacrifice, l'animal que Dieu a tué, je pense que c'est l'agneau. Oui, j'ai un verset biblique qui dit ici, Proverbe 27, verset 26, les agneaux sont pour te vêtir et les boucs pour payer le champ. Oui, c'est possible. C'est possible. Moi, je pensais que tu avais une question. C'est pourquoi je suis un peu déséquilibré. Ouais, probablement c'était une brebis, parce que encore une fois c'est la révélation progressive jusqu'au
aux brebis sacrificielles qui étaient Jésus. Et quand on introduit Jésus, on dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà. Oui, une autre question. Une première question de l'acceptation de l'offrande. Je prends l'impression que ça va bien plus au-delà du simple fait que c'était des fruits. Oui. Et la viande. Pourquoi? Parce que je crois que c'était un problème d'attitude. Quand tu lis Hébreux 11:4, la Bible dit que par la foi, oui, tu as même offert à Dieu un sacrifice plus excellent. Donc c'était un problème de foi. Oui, mais c'est quoi la foi? La foi, c'est que Dieu lui a dit, il faut offrir un sacrifice tel. Et parce qu'il a cru, il a agi selon cela. Et Caïn n'a pas cru cela, et il ne l'a pas fait. Ce n'est pas... On ne peut pas questionner l'attitude parce qu'on n'a aucun élément là pour l'attitude. Le seul élément qu'on a, c'est qu'on a des légumes de l'autre côté ou des végétaux et un sacrifice animal de l'autre côté. Et on sait pertinemment bien que c'est par le sang qu'on a le pardon de péché. Donc, Caïn avait-il pas la bonne attitude? Probablement. Mais si... On commence à souligner cela, on va passer à côté de la leçon. Et la leçon, c'est qu'il faut offrir un sacrifice selon ce que Dieu demande. Et c'est ça le corps de la leçon. On ne peut pas juste faire ce qui nous convient, on ne peut pas juste marcher. Des fois, c'est dur de le faire. Même le Seigneur nous donne cette illustration. Il nous dit ceci, un père qui avait deux enfants, il dit à l'un, va faire cela, il dit, ah, je ne veux pas aller. Il dit à l'autre, va faire cela, et il dit, oui, je vais aller. Mais celui qui a dit qu'il n'allait pas le faire, il est allé le faire quand même. Et, au final, on va regarder l'acte. Caïn a offert ce que Dieu n'avait pas demandé, et Abel a offert ce que Dieu avait demandé. L'attitude de Caïn n'était pas bonne. On va regarder l'attitude ici tout à l'heure. On va regarder cette attitude. Regardez ceci. Mais au départ, Dieu refuse parce que ce n'est pas selon ce qu'il a demandé, point final. Même si Caïn... la question c'est peut-être ceci. Et si Caïn avait une bonne attitude, est-ce que Dieu allait accepter le légume? Je ne pense pas que ça allait passer. Même si Caïn pleurer en offrant ce sacrifice, ce n'est pas selon Dieu. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Regardez ceci. Dieu n'a pas zappé Caïn tout de suite. Pour ceux qui disent que Caïn ne savait pas. Dieu n'a pas zappé Caïn tout de suite. Maintenant, regardez cette conversation qui devient très intéressante. Et l'Éternel, verset 6, c'est l'Éternel Dieu. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Est-ce que Dieu ne le savait pas? Dieu il sait. Mais quand il demande, c'est parce qu'il veut toujours te donner une opportunité de corriger tes affaires. Tu sais, tu viens à l'église, tu as fait quelque chose, Dieu parle là-dedans, tu te fâches contre le pasteur. Non, Dieu est en train de te donner une opportunité de changer. Saisis cette opportunité, c'est une manifestation de l'amour de Dieu. Amen. Oh, alléluia. Il n'y a pas beaucoup d'amen, mais je vais dire moi-même. Amen. Je vais me répondre moi-même. Alléluia. Mais là, et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, tout le monde dit certainement. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. En d'autres termes, Dieu dit. Il ne dit pas à Caïn, hey, gars, ton truc là, ça passe pas, parce que c'est pas ce que j'ai demandé. Parce que Dieu sait ce que Caïn sait. Allô? Il ne lui dit pas, ton truc là, moi ça ne marche pas, c'est pas ce que j'ai demandé. Il ne lui donne pas l'information. Il dit, si tu fais ce qui est bien, tu relèveras ton visage.
Si Caïn ne savait pas, il allait dire, mais c'est quoi qui est bien que je dois faire? Alors, je pense. Oui, une question. Oui, le sacrifice, c'était pour le pardon des péchés. Mm-hmm. Donc déjà, s'il ne donne pas le bon sacrifice, ces péchés ne seront pas pardonnés. Non. Logique. Logique. Mais non, regardez ceci. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. En d'autres termes, va et donne ce que je demande. Et je vais accepter. Hey, n'êtes-vous pas content de servir le Dieu de deuxième chance? N'êtes-vous pas content? Hey, il y en a qui disent que oh, dans l'Ancien Testament, Dieu frappait. Si on dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, nous devons être capables de déceler la grâce de Dieu dans l'Ancien Testament. Et voici une place où on voit la grâce de Dieu. Dieu, Caïn est fautif. Il a déjà loupé l'affaire. Dieu pouvait juste faire ça et il allait avoir raison. Mais Dieu plaide avec lui encore. Si tu fais bien, tu relèveras ton visage. Et Caïn ne dit pas, mais qu'est-ce qui est bien? Écoutez, regardez, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et son désir se porte vers toi, mais toi domines sur lui. Mais Caïn, ce n'est pas ce qu'il a fait. Caïn, au lieu de faire ce que la Bible demande, et je peux dire cela, parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Alléluia. Au lieu de faire ce que la Bible demande, il va plutôt voir celui qui fait ce que la Bible demande et lui dit, hé, hey, toi aussi là. Avez-vous remarqué qu'il y a certaines choses ne changent pas? Tu sais, ceux qui ne font pas comme la Bible demande, ils vont toujours se fâcher contre ceux qui font comme la Bible demande. Je ne sais pas pourquoi. Ils vont juste se fâcher. Mais nous, on baptise au nom de Jésus. Ah, vous aussi, regardez, ils se fâchent. Mais si, au lieu de t'irriter contre ton frère, va faire comme la Bible demande. Alors, ils vont se fâcher sans raison. Enfin. Une question? Bon, ça c'est. Oui. Quand la Bible dit que si tu viens de péché, c'est couché à la porte, je verrais bien savoir cette porte, c'est illustré à la porte. Non, c'est une façon de parler. C'est que le péché est là. Si le péché est déjà dans ta maison, ben c'est fait. Tu as encore une opportunité. Ce n'est pas trop tard. Je te donne encore une autre chance. Va, fais-le. Le péché est à la porte, il n'est pas encore entré. C'est juste que tu as encore un peu de temps, ce n'est pas une porte littérale. Ce n'est pas quelque chose, c'est une circonstance. C'est une circonstance, Dieu te donne une opportunité. Si le péché est déjà rentré dans la maison, c'est trop tard. Le péché est déjà arrivé. Si le péché est encore à la porte, on a encore une chance, en gardant cette porte fermée, que le péché n'entre pas dans la maison. Amen. Et voilà, c'est juste que, voilà, je t'accorde un sursis de temps. Va faire ce qui est bon. Mais même à cela, Caïn n'a pas écouté. Nulle part, il dit à Dieu, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui est bon? Pourquoi? Parce qu'il savait déjà. Et là, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Il va et il tue son frère au lieu de faire ce que Dieu demande. Tu sais, ce n'est pas en tuant ceux qui obéissent à la parole de Dieu que tu vas justifier ta désobéissance à la parole de Dieu. On essaye de on va nous donner n'importe quelle étiquette parce que nous voulons faire ce que la parole de Dieu demande.
Mais ça, c'est tuer ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Comme ça, on va dire, bon, voilà, c'est ça qui est là. Il n'y a pas d'autre façon de faire. Non, non, non. Nous allons faire ce que la parole de Dieu demande. Nous allons tout simplement faire ce que la parole de Dieu demande. Et il le tua, et il s'est jeté sur lui et il a tué son frère. Et l'Éternel dit à Caïn, au verset 9, la Bible dit, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Où est ton frère Abel? Encore une fois, Dieu ne savait-il pas? Il savait, mais quand Dieu demande, quand Dieu questionne, il donne une opportunité pour te répondre. Il répondit, je ne sais pas. Je ne sais pas, mensonge. Suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de mon frère? Vous savez, anyway, est-ce que je dois parler de ça? Oui. Il y a une initiative là que votre hein, président favori, Barack Obama. Moi, je n'ai jamais compris. En tout cas, nous les Noirs, que Dieu nous aide. Oh, je suis chrétien. Tout le long, je suis chrétien, je suis chrétien. Mais Barack Obama, à la présidence, oh, on doit voter pour Barack. Mais où est ta chrétienté maintenant? Allô? Amen. Trois amen seulement. Amen. Je veux me le donner moi-même. Amen. Regardez. C'est triste. Il a parti d'une initiative qu'il a appelée My Brother's Keeper. Le seul moment où ils vont tirer de la Bible, c'est quand c'est négatif. My Brother's Keeper, ça c'est des Caïns. Moi, je ne vois rien à voir avec une citation de Caïn. Suis-je le gardien de mon frère? Et lui part ce programme, oh, je suis le gardien de mon frère. Vous allez vous entregarder vous-même. Nous allons prêcher l'évangile. Nous allons prêcher l'évangile. Il rejette toute la parole de Dieu. Le type ne pouvait même pas faire un discours parce qu'il y avait juste... Tu sais, il est allé à l'université Notre-Dame. Et de la place où ils avaient mis le podium, il y avait une croix en arrière. Il a demandé qu'on couvre la croix. Parce qu'il n'allait pas faire le discours pendant que les caméras sont sur lui et la croix en arrière. À cause de ce que la croix représente. Mais il va au Moyen-Orient, il fait un discours avec un grand Allahu Akbar à l'arrière de lui. Écoutez, il faut être dupe pour soutenir une telle. Qu'il soit noir, qu'il soit jaune, s'il n'adhère pas au principe de Dieu, il n'a rien à voir. À la bonne place. Et s'il y a des choses avec lesquelles on ne peut pas blaguer, c'est la parole de Dieu. C'est le premier président à inviter les homosexuels à la Maison Blanche. Un président tellement pro-avortement, pro-n'importe quoi, transgendarisme, ou nommer tout ce qu'il y a de mal, il a supporté. Il a été... à l'opposé des chrétiens sur toute la ligne. Sur toute la ligne. Sur toute la ligne. Mais non. Écoute, votez seulement parce qu'il est noir. Bonne chance. Moi, c'est là où mon chemin se sépare. Alléluia. Quand on vote par principe et non par couleur. Amen. Amen, non. Ça devient silencieux. On vote par principe et non par couleur. Je sais que tous, ils sont à côté. Amen. Mais je veux voter pour celui qui est moins à côté que les autres. Et il faut voter en passant. Il faut voter. Il faut voter. Et tu regardes toujours, peu importe, le parti qui tend plus vers Dieu, c'est celui pour lequel on va voter.
ce qui nous donne un peu une opportunité de faire quelque chose, c'est celui-là qu'on va voter. Moi, si j'étais aux États-Unis, j'allais voter pour George Bush, j'allais voter pour Donald Trump, Uncle Trump, moi je l'appelle, j'aime ce type. Pas parce qu'il est parfait, non, parce qu'il me permet de faire le travail de Dieu. Amen. Et Dieu a utilisé des incrédules partout dans la Bible. C'est vrai. Je ne veux pas voter pour Trump comme pasteur. Alléluia. Pas du tout. Comme pasteur, non. Non, une fois non. Mais comme président, je ne veux pas voter pour Hillary Clinton. Come on, come on, guys, come on, come on. Assez de politique. Et tout le monde n'a pas envie de dire. Oui, toi tu as voté pour Clinton. Là. Ok. Si par exemple dans ton pays il y a plusieurs partis, mais bon, il n'y a qu'un seul parti pour lequel tu peux vraiment voter, même si ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu, tu peux voter blanc, non? Je n'ai pas compris la question. Parce que comme dans notre pays en Afrique, genre, il y a toujours comme. On dit qu'il y a plusieurs autres partis, mais quand tu vas voter, tu vois un seul parti. Ah bon? Les bulletins sont truqués. Exactement. Mais tu peux voter blanc, non? Oui, oui, dans ce cas-là, parce que c'est même pas un vote. C'est juste une formalité. Là. C'est de même pas. En Afrique, on ne fait pas de vote entre nous. On va juste laisser ça. Non, 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 non. Même pas au Congo, il n'y a pas des élections. Tu sais, l'Afrique, c'est la seule place où un président fait des élections et il sort avec 99.9%. Nous, de notre temps, le parti politique, là, il n'y en avait qu'un seul. Le MPR. Et le président disait ceci. Politicien, vous le devenez, prêtre, vous le devenez, mais au Botami, membre et un mouvement populaire de la révolution. Il changeait même de langue dans sa vie. Il dit, tu es né membre du mouvement, tu deviens membre du parti politique à la naissance. Ça c'est péché. Mais ce n'est pas comme ça ici. Amen. Bon. Alléluia. Hey, aide-nous, Seigneur. Surtout ne votez pas pour un clown. Vous savez comment on reconnaît un clown? Par son habillement. Surtout ne votez pas pour eux. Amen. Il y en a qui vont comprendre ça. Amen. Alléluia. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Mensonge. Et vous savez, Caïn a tué son frère Abel, il a péché. Le péché va toujours demander une couverture. Et quand on lui demande, où est ton frère? Il a cherché une couverture pour son péché, mais il n'a pas pris la bonne couverture. Il est allé chercher un mensonge. Mais le problème, c'est que si tu utilises un péché pour couvrir un péché, tu vas avoir besoin d'un autre péché pour couvrir ce péché. Et puis un autre péché pour couvrir ce péché, puis un autre péché pour couvrir celui-là. C'est pourquoi, jeune, je vous exhorte à sortir de ce chemin. Amen. Parce que tu te retrouves finalement dans un engrenage, la solution c'est toujours de chercher la bonne couverture, et la bonne couverture pour le péché c'est le sang de Jésus-Christ. C'est-à-dire tu sors de la voie du mensonge. Quand tu mens, tu vas mentir encore. C'est vrai. Et ton mensonge va être encore plus grand, encore plus grand. C'est pourquoi tu vois, on peut voir ces schémas dans certains péchés qu'on voit à l'œil. Tu sais, quand. C'est pourquoi la prostitution,
va toujours être accompagné avec l'alcoolisme et la drogue. Parce que tu commets l'adultère et là tu vas chercher encore quelque chose pour couvrir ce péché. Et là, cette couverture va être suffisante pour un moment, mais après, le péché, avec le péché, ça va sortir. Tu vas chercher une couverture plus large. C'est pourquoi tu vas aller encore de plus en plus dans l'alcool, encore de plus en plus dans la drogue, jusqu'à ce que tu commences à utiliser des drogues fortes. Mais la seule façon de sortir de ce cycle infernal, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est la seule couverture qui marche. Le sang de Jésus-Christ. Oui. C'était l'Ancien Testament. Oui. Il fallait le sang de Jésus. Oui, l'Ancien Testament, il fallait qu'il offre tout simplement le sang d'une brebis, qui était ce que Dieu acceptait pour cet homme-là, et qui, au fait, pointait au sang de Jésus-Christ qui était à venir. Et s'il avait fait cela, ça allait être accepté et il allait avoir la paix qu'il recherchait. Et c'est ça, au fait. Et donc, il a dit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et regardez qu'est-ce que Dieu lui dit. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Encore une autre malédiction sur la terre. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Mais la question c'est toujours, mais de qui Caïn avait-il peur? Oui, tu continues. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel met un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue à point. Puis Caïn. Remarquez une chose, et on va revenir sur cela. Ah, Caïn, plutôt Dieu dit, personne ne va te tuer. Caïn a commis un meurtre. Amen. Mais personne n'avait le droit d'exercer vengeance sur Caïn. Et on va élucider cela par la suite. Amen. Probablement le lundi prochain. Donc il faut venir lundi prochain, s'il vous plaît, savoir. Oui. Chaque fois que j'ai lu la Bible, ce passage, le Seigneur dit personne, ce personne-là, je dis, mais c'est qui? C'est qui? Ah, on va trouver c'est qui aujourd'hui, peut-être pas, mais lundi prochain, sûrement. Aujourd'hui, ça va prendre du temps. Maintenant, si tu continues la lecture. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod à l'Orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Voilà, encore une fois le mot connu. Hein? Et lui aussi connut sa femme, elle conçut, elle enfanta Enoch. D'où est-ce qu'elle vient la femme de Caïn? Ça c'est aussi une question. De la même place des personnes qui devaient tuer Caïn. Et on va trouver d'où ces gens venaient. Hein? On va découvrir leur origine aujourd'hui. On va juste passer pour découvrir leur origine aujourd'hui. Comme ça, vous allez dormir en paix. Amen. Mais allez-vous promettre au moins de revenir lundi, parce que vous êtes toujours comme ça. Quand je donne toutes les révélations, et puis vous ne venez plus. Est-ce que vous allez revenir lundi prochain? Parce qu'on sera de toute façon en semaine de relâche. Amen. 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 Donc, ça devait être plein ici, là. On va même faire des crêpes. Ok. Je vais m'arranger. David, si tu m'écoutes, papa a pris un engagement, les crêpes. Amen. On va amener du renfort. Amen. Alléluia. Quand c'est la relâche, souvent ma famille vient à l'étude du lundi et on va faire des crêpes. Le frère David va nous faire des crêpes. Amen. Alléluia. Je vais lui donner un salaire.
Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Maintenant, regardez ceci. Continue un peu dans ta lecture. Maintenant, attends, fais une pause. Là, on va regarder quelque chose rapidement ici, avant de commencer à regarder la provenance de tout ce monde-là. Oui, il bâtit une ville. Pause. Je vais juste introduire certaines choses comme ça. Ça va couler comme on avance. Amen. À partir de là, on va étudier, on va regarder les lignées et on va parler d'héritage familial. Amen. Parce qu'on va voir qu'il y a deux lignées principales qui vont se développer sur la terre. Et Dieu nous donne ces deux lignées en particulier pour illustrer la puissance de l'héritage familial. Et surtout pour nous, Africains, c'est très important. Il y en a aussi ici, mais le problème ici, c'est que c'est très difficile à retracer parce que la cellule familiale est un peu diluée, en fait. Mais chez nous, on peut voir cela et on peut identifier cela assez facilement avec beaucoup d'aisance. Amen. Maintenant, lecture. Il bâtit ensuite. Continue. Il bâtit ensuite une ville, oui. Et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Mm-hmm. Enoch engendra Irad, Irad engendra Mélusine. Là, on est en train de parler de la lignée de Caïn. La première des choses que je vais souligner ici, c'est que il a bâti une ville, il a donné à cette ville le nom de son fils. Ça nous donne une indication profonde sur l'orgueil. Il y avait beaucoup d'orgueil dans cette lignée. Là, les gens vont dire souvent, mais où est l'orgueil? Attends, pour qu'on donne même à une simple rue, même à un simple parc, pour qu'on nomme un parc d'après ton nom, il faut que tu aies accompli quand même quelque chose pour la société. Amen. Mais lui, il devait juste naître. Et en fait, c'est l'anticipation de sa grandeur. On donne le nom à la vie. Ça, c'est de l'orgueil. Allô? Ouais. Et puis? Mehujael engendra Métushael. Mm-hmm. Et Métushael engendra Lémec. Lémec. Lémec prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tsiya. Mais non, c'est. Ce mec-là, le mec, il était le premier type à être polygame. La polygamie, c'est pas bon. Amen. La polygamie, c'est pas bon. Amen. Que tu sois africain ou pas, la polygamie, c'est pas bon. Amen. La polygamie détruit beaucoup. C'est vrai. J'ai vu, écoutez, le Seigneur m'a mis à cœur, c'est cette semaine, je faisais affaire avec une situation. Tu sais, il y a beaucoup de femmes chez nous en Afrique qui ont littéralement perdu la raison à cause de la polygamie de leur mari. Elles sont devenues folles à cause de la polygamie de leur mari. Et c'est grave. Après, on blâme ces pauvres dames. Et elles finissent dans une tristesse profonde. Mais la polygamie, c'est pas bon. Amen. Regarde, la Bible dit ceci, quand tu t'attaches à un homme, quand un homme et une femme s'attachent, ils deviennent un, tu vois. Et quand tu t'attaches à ta femme, non seulement, tu sais, des fois, on dit ceci, lui et elle, l'homme et le mari se ressemblent. Ce n'est pas juste parce qu'ils ont vécu ensemble. C'est tout. C'est aussi parce qu'ils se sont unis intimement. Et leurs deux personnalités se mélangent un peu. Et si maintenant, un des partenaires sort et va se mélanger avec
une autre personne. Il prend un peu de la personnalité de lui et il laisse un peu de sa personnalité. Et là, il va mélanger avec la personnalité d'une autre personne. Et au final, ça devient une confusion terrible. Et tu peux regarder même ces gens qui sont polygames au pays. Des fois, leur raisonnement n'est même plus correct. Je connais un de nos cousins familiaux qui était tellement polygame. Il a eu 24 enfants. Un jour, il était chez sa quatrième femme et il y avait un enfant qui pleurait. Et là, il dit, mais ça le dérangeait maintenant. C'est l'enfant de qui pleure là? Là, tout le monde le regarde et dit, hé! Il me dit, toi, tu veux dire que tu ne sais pas que c'est ton enfant? Il n'avait même plus aucune idée de ça. La polygamie crée des problèmes dans la famille. Et tu peux regarder les familles bibliques, elles sont dysfonctionnelles à cause de la polygamie. Et là, les parents vont faire la polygamie et qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent après des problèmes aux enfants. Ce sont des problèmes à gérer pour les enfants. Il ne faut pas faire cela. Dieu a créé Adam et Ève. Point. Il n'a pas créé Adam et Ève et Jacqueline et Sylvie et... Non. Un homme, une femme. Alors, et ça doit rester comme ça. Ça ne marche pas la polygamie. Écoutez, vous savez, Dieu n'approuve pas la polygamie. La parole de Dieu le démontre. Mais je veux vous partager une expérience que mon père m'a partagée. Parce que mon père était polygame. Et nous avons eu à subir cela dans notre famille. Et par après, mon père s'est repenti de cela. Et vers la fin de sa vie, à force de prière, à force de parler à papa, il a dû régler cette situation. Mais Dieu lui a parlé. Papa me raconte ce rêve. Il dit un jour, il dormait et Dieu lui a donné un rêve. Mon père, Dieu lui parlait beaucoup à travers le rêve. La plupart d'entre vous connaissez l'histoire de son dernier rêve avant sa mort. J'ai donné cela comme témoignage. Il dit, il a rêvé qu'on lui dit, tu dois aller là-bas, c'est là le ciel. Et il voyait que c'était en haut d'une colline. Et il y avait une belle maison et c'était éclairé, c'était beau. Et maintenant, le chemin qui menait vers cette maison sillonnait tout le long de la colline pour monter là. Et là, il s'est mis en marche pour aller, parce qu'il voulait aller au ciel. Et là, du coup, il voit un de ses cousins qui était décédé il y a longtemps, qui venait en voiture, qui klaxonne, pépin, Mutombo, viens, on va faire le chemin ensemble. Lui dit, ah, comme c'est loin, et lui, il a une voiture, je vais embarquer avec lui. Et il a embarqué dans sa voiture. Et là, ils se sont mis en marche pour aller vers cette maison. Il dit, ils ont commencé à tourner en rond. Ils tournent en rond, ils avancent, et là, du coup, ils voient la maison en arrière. Ils font demi-tour, ils reviennent, ils voient la maison de l'autre côté. Ils tournent en rond, ils voient la maison de l'autre côté. Ils ne sont jamais arrivés à cette maison. Finalement, il s'est réveillé. Et là, il était inquiet. Tu sais, quand tu as un rêve, tu sais qu'il y a une signification. Il était inquiet, il dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce que ceci signifie? Il dit, une voix commence à lui parler. Mais qu'est-ce que tu as en commun avec ce type? Il dit, mais lui, il est déjà mort. Moi, je suis vivant. Mais qu'est-ce qu'on a en commun? Et puis, ça a été comme une lumière dans sa tête. Polygamie. Le type était polygame. Il dit, oh, je dois mettre ma vie en ordre. Il a appelé sa deuxième femme
Il dit, je te demande pardon. Tu sais, quand nous avons commencé ces choses, je ne connaissais pas Dieu. Maintenant, je connais Dieu. Je te demande vraiment pardon. Je veux te libérer. Et il lui a donné un montant d'argent pour la dédommager. Voilà, je te dédommage. Mais là où nous allons, c'est plus proche que de là où nous venons. Nous devons nous mettre en ordre avec Dieu. Et c'est comme ça qu'il a réglé son problème. Tu sais, des fois, les conséquences de ces péchés vont rester. Tu sais, nous avons des demi-sœurs. Alléluia. Nous les aimons. Moi, j'ai baptisé ma demi-sœur, j'ai prié pour elle, elle a reçu le Saint-Esprit, j'ai payé pour ses études maintenant. Mais c'est un fardeau que je n'avais pas besoin d'avoir. Mais je l'ai, je l'aime et je la prends aujourd'hui, c'est ma sœur. Mais vous savez, à la mort de papa, il y a eu des tensions parce que c'est comme ça, c'est toujours des problèmes. C'est toujours des problèmes. C'est toujours des problèmes. La polygamie, c'est pas bon. Héritage familial, orgueil, polygamie, même lignée de Caïn, c'était pas une bonne lignée. Oui. Mais c'est juste pour ajouter sur comme le fait que quand deux personnes rentrent en intimité et deviennent une seule chair, j'étais tombée sur une étude, puis l'étude était faite sur des femmes, et ils disaient que comme ces femmes-là, j'ai oublié le terme scientifique par rapport à ça, là, mais c'est comme elles avaient ce syndrome, c'est comme elles retenaient des cellules ADN de quelqu'un de mâle. Alors que c'est pas censé se faire, à part si elles sont enceintes d'un garçon, comme elles peuvent le retenir. Wow. Mais là, elles disaient que littéralement, avec les partenaires qu'elles avaient eus, elles arrivaient à retenir ce code génétique-là, alors que le corps était censé le rejeter. Puis ça m'a juste fait comme. Quoi, wow. Plus une chair que l'ADN, quoi. C'est... Voilà, envoie-moi cette étude. Alléluia. Ce sont des bons trucs comme ça. Maintenant, regardez, si on continue dans la lecture, si on veut trouver d'où viennent ces gens. Il faut qu'on avance un peu. De nouveau. Adar enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tia de son côté enfanta Tubal-Caïn, qui forgea tous les instruments d'airain et de fer. Et là, ce n'est pas visible. Il faut lire des écrits extra-bibliques pour voir ceci. Et quand il dit qu'il forgeait, l'enfant Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. Tu sais, l'exploitation ou l'extraction de métaux, des minéraux, est liée directement non seulement à la production d'outils, mais aussi à la conception d'arbres. Au fond, il y a le livre des Notes qui dit que ce sont les anges déchus qui ont à enseigner aux hommes à fondre le fer, à faire des armes et à commencer à faire la guerre et à s'entretuer les uns les autres. Donc ce n'est pas tellement une bonne chose qui est mentionnée ici en outre dans la lignée de Caïn. Si on continue. La sœur de Tubal-Caïn était Naam. Les mecs dit à ses femmes. Adam... Les mecs dit à ses femmes. Ça sonne très mal. Ada et Tia, écoutez ma voix. Femme de l'Émec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et l'Émec 77 fois. Waouh! Regardez maintenant l'exposition de l'orgueil. Il dit, moi j'ai tué... Bon, encore là, il y a une autre chose que les gens disent ici. Ils disent que le mec avait tué deux personnes. Moi, je ne sais pas s'il parle de la même personne ou si c'est deux personnes, mais est-il qu'il y avait meurtre? Il dit, j'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. C'est là, plutôt, Caïn sera vengé 7 fois. Mon ancêtre Caïn. Dieu a dit, si quelqu'un le tue, il sera vengé 7 fois. Mais moi, je serai vengé 77 fois. Je suis... Écoute, ça c'est l'expression de l'orgueil que nous trouvons couramment dans notre société même aujourd'hui. Est-ce que tu sais à qui tu as affaire? Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu me connais, toi?
suis à faire. Hein. Je suis important. Ça, c'est l'orgueil à l'extrême. Donc, l'orgueil, le meurtre, la polygamie et toutes ces choses descendaient de la lignée de Caïn. Une chose mauvaise après l'autre. Une chose mauvaise après l'autre. Et des fois, il y a de ces choses que nous retrouvons dans nos familles, dans nos lignées. Nous devons faire attention. Nous ne pouvons pas tout accepter. Amen. Amen. Nous ne devons pas tout accepter. Il y a certains héritages familiaux, il faut juste refuser. Regardez, il y a de ces familles, tu vas trouver la grand-mère. On n'avait pas eu un mariage normal. Elle est tombée enceinte et puis on l'a donné à cette aventurier. Sa fille, la même chose. Sa petite fille, la même chose. Et écoute, quand tu vois un schéma comme ça, ça c'est une malédiction familiale. Tu pries cela, tu dis au nom de Jésus-Christ. Ça s'arrête là, j'ai traversé le sang, ça ne va pas me suivre de l'autre côté du sang. Tu sais, il y a des gens pour qui c'est le divorce dans la famille. Nous avons eu un prédicateur, j'ai toujours donné son exemple, parce qu'il avait donné son exemple durant la prédication. Il s'appelle Fazalog, un homme de Dieu extraordinaire. Il dit, lui, dans sa famille, tous les Fazalog sont divorcés. Il a 50-quelques cousins, tous les 50-quelques cousins mariés, divorcés. Son grand-père, divorcé. Son père, divorcé. Tous ses cousins divorcés. Il dit qu'il est le seul Fazalog qui est marié et qui reste avec sa femme. Et c'est le seul qui est sous le sang de Jésus. Amen. Il y a certaines choses, tu les identifies, tu pries contre, tu les refuses. Tu n'acceptes pas cela. Tu n'acceptes pas tout simplement cela. Maintenant, regardez, comme il peut y avoir... tu sais, tu peux renoncer à un héritage. Ça, c'est, moi, j'appelle ça des héritages familiaux. Tu peux renoncer à ton héritage familial. L'héritage familial de la sorcellerie, je renonce à cela. L'héritage familial de la promiscuité, je renonce à cela. Tu renonces à cela dans le nom de Jésus. Maintenant, regardez de l'autre côté. Tu sais, ça, ce sont des lois de la nature. De l'autre côté, il y a verset 25. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils. Et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Voilà. Maintenant, cette expression ne signifie pas qu'ils étaient seulement à quatre sur la terre. Caïn est mort, Abel est mort, et puis pouf, elle vient d'avoir un troisième enfant, et puis elle donne à cet enfant le nom de Seth pour remplacer. Non. Elle dit cela parce que Seth avait les mêmes prédispositions que Abel. Elle voit Seth avait le même amour des choses spirituelles qu'Abel avait. Et Abel avait l'habitude de se retirer sous le manguier et de prier. Elle voit Seth faire la même chose. Ça c'est bon. Abel avait l'habitude d'écouter, d'accompagner son père quand il allait offrir le sacrifice. Elle voit Seth faire la même chose. Ça c'est bon. Elle dit, waouh, Dieu vient de me remplacer à Abel que Caïn a tué. Amen. Maintenant, regardez. Maintenant, les bonnes habitudes se transmettent aussi. Amen. Et puis, elle dit, verset 26. Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de Seth. Ça, c'est l'original. Laissez-moi vous dire, ça, c'est l'original. Seth a eu un enfant qui a suivi ses voies, qui s'appelait Enoch, mais
Enoch a été tellement influençable à son époque qu'ils ont commencé à faire quoi? L'original est toujours question du nom. C'était un peuple du nom. Oh, alléluia. Vous l'avez vu peut-être dans quelques semaines, vous allez le voir. Mais anyway, Seth a suivi les voies de Dieu. Il a influencé son fils, Enoch. Enoch a suivi les voies de Dieu, mais Enoch était une personne tellement de caractère qu'il a influencé les gens autour de lui, que les gens ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel, à prier au nom de l'Éternel. Wow! Les bonnes habitudes peuvent aussi se contaminer. Maintenant, c'est notre responsabilité que de regarder notre lumière ou notre héritage spirituel. Si c'est bon, on va le perpétrer, mais si c'est pas bon, non, on va le renoncer, on va aller chercher un bon héritage familial. Quand on s'est fait baptiser au nom de Jésus-Christ, littéralement, on peut réclamer l'héritage familial de Jésus-Christ. Et c'est ça l'héritage qu'on veut transmettre à nos enfants. Amen. Amen. Alléluia. Et Seth a influencé, plutôt Enoch a influencé sa société, son temps, qu'ils ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Tu peux influencer ta génération. Il n'y a que le frère Simplice qui veut. Tu peux influencer ta génération. Tu peux influencer ta génération. Maintenant, là, littéralement, deux lignées se développent. D'un côté, un mauvais héritage et le mal ça va de mal en pire. De l'autre côté, un bon héritage où le bien aussi se multiplie. Et on voit les deux sur la terre. On va revenir à cela. Regardons un peu le chapitre 5. Le chapitre 5 est une litanie de noms, mais entre ces noms, il y a des leçons que nous pouvons apprendre. Et la première leçon, c'est de là où nous allons tirer d'où venaient tous ces gens. Maman, on va voir. Genèse 5, versets 1 à 5. La Bible dit, voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Quand Adam a eu Seth, il avait déjà 130 ans. Il avait déjà 130 ans. Amen. Il était déjà plus vieux que nous, qu'aucun d'entre nous ici. Et je vois ici parmi nous, il y en a 4 enfants, dont moi. Qui a 4 enfants ici? Alléluia. C'est moi. Qui en a 5? 6? 7? Activez-vous un peu là, sinon. Ah, 7 en arrière. Elle n'a pas 100 ans là. Donc, ne me dites pas que Adam, c'était juste son troisième enfant. Là, vous vous taisez. Vous n'êtes plus sûr de ce que j'ai dit. Continue ma lecture. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Il engendra des fils et des filles. Adam et Ève n'ont pas eu 3 enfants seulement. Adam et Ève ont eu toute une multitude d'enfants. Regardez, le rythme normal, c'est un enfant en 2 ans. Amen. Maintenant, à partir de quel âge Adam pouvait avoir un enfant? 20 ans? 27 ans? 25? Mais regardez, Adam pouvait avoir un
un enfant à un jour. À un jour d'âge, il pouvait avoir un enfant. Allô? Parce que le premier jour qu'il a été créé, Dieu lui dit, allô, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Adam, quand il a été créé, quand Dieu l'a créé, que tu le voyais, mettons, Dieu le crée aujourd'hui, mettons à 15 heures. Et puis quand tu le rencontres à 16 heures, tu allais lui donner quel âge? Hein? 17 ans? Non, mais ce n'est pas une question piège. Je veux juste qu'on comprenne la logique. Dieu le crée, mettons, à 15 heures. Et puis toi, tu le rencontres à 16 heures. Mm-hmm. Tu allais lui donner quel âge? Oui, Paulina. Vu qu'il était capable de s'occuper du jardin, peut-être 20, 25 ans. 20 ans? Hein? Dieu n'a pas créé un bébé de un jour, là. Dieu n'a pas créé un bébé comme un bébé qui vient de naître tout violet et qui a besoin. Non, il a créé un adulte prêt à fonctionner. Amen. Alors, donc, dès le premier jour, quand tu le voyais, tu allais être induit en erreur. Tu allais dire, ah, il a peut-être 20 ans. On va dire 20 ans. Or, il avait seulement un jour ou une heure. Et c'est là l'erreur que les géologues et tous les scientifiques font. Ils regardent la Terre, ils disent, oh, la Terre a 90 milliards. Non, la Terre n'est pas née. La Terre a été créée avec cet aspect de départ. Comme tu voyais Adam le premier jour, tu lui donnais 20 ans, tu pouvais voir la Terre le premier jour, elle a donné 6 millions d'années. Parce qu'elle a été créée, pas, elle n'est pas née. C'est deux différents processus. Allô? Alléluia. La Bible. Cette parole-là, elle est extraordinaire. Elle a tout. La confusion, c'est dans le monde. C'est pas avec nous. Nous savons la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire. La confusion se trouve dans le monde. Et Dieu. Maintenant. Donc, moi, je pense qu'à un an, il pouvait déjà avoir un enfant. Bah, Adam. Ouais. Pas nous, Adam. Parce que nous n'avons pas le même processus. Donc, mettons juste, on va mettre la moyenne normale. 2 ans. À chaque 2 ans, tu as un enfant. Mettons juste par exemple. Même s'il a commencé à donner naissance à 30 ans, à 130 ans, il allait avoir déjà 50 enfants. Allô? En masse. Et c'est comme ça, et c'est ce qui explique la population, la croissance de la population mondiale. Il y a deux choses, la longévité et la productivité qui étaient élevées. Qui étaient élevées parce qu'il ne mourait pas tôt. Lui, il est mort à l'âge de 930 ans. Ça, écoutez, 930 ans ici, c'est 930 ans. Amen. Allô? Amen. Ce n'est pas, oh, c'est parce que c'est le nombre de Dieu. Non, 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 non. C'est 930 ans de 365 jours. Amen. C'est le même compte qu'on fait maintenant. Allô? Parce qu'un jour, c'est un jour, c'est 24 heures. Amen. Oui, une question? Ok. Déjà répondu, ça a été rapide. Non, non, ah, oh, boy. Ok. Je suis cuit, là. Maintenant, oui. Oui, maintenant. De qui Caïn avait-il peur? Caïn avait tout simplement peur qu'un autre de ses frères, qui était plus proche de Abel que de lui, les tue. Ah, parce qu'il n'y avait pas d'autres personnes sur la face de la terre. D'où vient la femme de Caïn? Caïn a épousé une de ses sœurs. Maintenant, vous dites, mais, oh, pasteur, mais c'est l'inceste. Non, ce n'était pas encore l'inceste, parce que si tu vas voir la loi de l'inceste, c'est un peu plus tard. Et si tu comprends pourquoi la loi de l'inceste, tu vas comprendre pourquoi ce n'est pas un problème. Amen.
La loi de l'inceste, ce n'est pas juste pour bon, dire frères et sœurs. La loi de l'inceste, c'est pour pallier à la dégradation biologique que notre organisme subit. Parce que plus nous avançons dans le temps, plus notre ADN a dégradé. Et plus l'ADN dégrade, plus les défauts se multiplient plus vite que les qualités. Et donc, si tu as des ADN qui sont presque identiques, tu vas avoir plus de probabilités que les défauts se reproduisent, que les qualités se reproduisent, d'où la Mongolie et toutes ces choses. Et c'est pourquoi on dit, ah, il faut veiller à ce que les lignées soient écartées pour éviter d'avoir les mêmes erreurs qui se répètent dans les codes génétiques. Parce que ça les multiplie de façon exponentielle, parce que nous sommes en train d'évoluer dans un environnement déchu. Les défauts se reproduisent toujours plus vite que les qualités. Je vais vous donner un exemple très simple que j'ai observé. Tu peux éduquer ton enfant. Tu lui dis, il faut dire merci, il faut dire pardon, il faut dire excuse-moi. Et tu lui apprends, et ça prend un effort. Mais que quelqu'un juste dit un mauvais nom, un mauvais mot, dans sa présence, c'est le mot qu'il va répéter. Avez-vous déjà remarqué cela? Essayez de lui faire dire pardon. Il refuse. Mais juste un mauvais mot qu'un de ses amis répète, paf, c'est le mot qu'il commence à répéter. Il y en a entre vous qui sourit parce que c'est ce que vous faisiez. Parce que les défauts se reproduisent tout simplement plus rapidement que les qualités. Nous sommes dans un environnement déchu. Maintenant, regardez ceci. Il n'y avait pas une autre création. Il y a un verset biblique pour le prouver. Regardez Genèse chapitre 3, verset 20. J'aime ce petit verset. C'est un verset puissant, mais qui cache une vérité profonde. Adam, ça parle de nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Adam donna à sa femme le nom d'Ève. Pourquoi? Car elle a été la mère de tous les vivants. Il n'y a pas eu un seul être humain qui n'est pas né de Ève. Allô? Amen. Si tu es vivant, tu es sur la terre, tu es descendu de Ève. Allô? Amen. N'est-ce pas extraordinaire? N'est-ce pas? La Bible va donner juste un verset comme ça. Mais ce n'est pas... Si, quand tu le... Oh non, la Bible. Il n'y a pas un livre comme celui-ci. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Elle a été la mère de tous les vivants. Nous sommes tous descendus d'elle. Nous sommes tous descendus d'elle. Il y en a qui disent, mais Dieu a pu créer d'autres hommes parce que... Il fait ce qu'il veut. Oui, Dieu sait qu'il fait ce qu'il veut. Ça, c'est un truc qu'on a toujours utilisé une fois dans la prédication. Dit Dieu, pour illustrer que l'homme et la femme sont égaux. Tu sais, Dieu fait comme il veut. Tu sais, il a créé l'homme sans l'aide ni de la femme ni de l'homme. Il a créé Adam. Il a créé une personne avec l'aide de l'homme. Il a créé Ève. Il a créé une personne avec l'aide de la femme. Il a créé le Seigneur Jésus-Christ. Et il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Et il est vraiment le maître de temps et le maître de circonstances. Et si nous continuons, et si nous nous arrêtions, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a vu, attends, je vais juste ajouter une chose, et puis je n'ignore pas, je vais juste ajouter une dernière chose sur ceci. Adam et Ève ont eu plusieurs enfants. La Bible ne marque pas tout le monde. La Bible nous donne les faiseurs d'histoire.
ceux qui vont impacter notre marche. Notre... Si la Bible devait écrire tout le monde, ben, on ne peut pas s'en sortir. D'abord, pour trouver la leçon là-dedans, ça va être vraiment trop long. L'autre, il avait mangé, trop mangé l'autre jour, et il faisait des renvois, et puis l'autre, c'est pas... Non, ça va être inutile, mais la Bible nous donne les faiseurs d'histoire. Ceux qui vont impacter notre vie, qui vont nous amener à marcher selon ce que... et qui nous allons tirer des leçons pour marcher selon ce que Dieu veut que nous marchions. Mais Adam et Ève ont eu plusieurs enfants. Amen. Oui, une question. Oui, pasteur. Tantôt, je voulais parler de la race de Caïn, finalement, a été. Oui. De la surface. Oui, les descendants de Caïn, il n'y en a plus, techniquement, parce que c'est une simple question technique qu'on va même regarder le lundi prochain. C'est que quand tu descends dans les lignées, tu arrives à la génération de Noé qui a échappé au déluge. Et par le déluge, Dieu a détruit tout le monde, excepté Noé et ses trois garçons. Et donc, c'est par eux que toute la terre a été peuplée. Or, Noé, nous allons le voir lundi prochain, il descend de Seth. Et Seth, c'est pas un descendant de Ève. C'est descendant de Ève. Oui, mais ce n'est pas de la lignée de Caïn. Seth et Caïn avaient le même parent. Adam et Ève ont donné naissance à Caïn et à Seth. Seth est au même niveau et nous descendons de Seth et tous les autres ont été effacés. C'est un peu ça. Donc, la théorie de la sémence de serpent ne fonctionne même pas à cause du déluge. Parce que nous sommes tous descendants de Seth, il n'y a pas de descendants de Caïn sur la face de la terre aujourd'hui. Oui, Jessica. En fait, je n'arrive pas à comprendre la place où on dit que bon, le Seigneur Marc Grasse m'a donné un autre Abel. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas d'autres garçons? Non, elle avait beaucoup d'autres garçons, parce que la Bible nous dit qu'elle engendra des fils et des filles. Mais elle voit dans Seth le même caractère qu'elle voyait dans Abel. Sa dévotion, ben, elle est démontrée facilement par son influence sur son enfant. Et c'est plutôt par rapport à cela qu'on voit que lui vraiment, il marche dans les voies que Abel marchait, en fait. Par rapport à la dévotion par rapport à... Tu vas voir dans des familles, ben, aujourd'hui c'est un peu plus difficile parce que nos familles aujourd'hui c'est une, deux personnes, trois personnes et puis c'est fini. Mais, tu sais, nos bonnes vieilles familles, là, quand on était 12, 14, on peut mieux comprendre ces choses. Parce que tu vas voir dans la famille, par exemple, un grand frère qui va s'illustrer. Je vais te donner un exemple, par exemple, chez nous. Dans ma famille élargie, il y a eu mon oncle qui était allé en Belgique. Il a étudié, il est venu avec des gants de boxe. Et là, il a amené un peu ce sport dans la maison. Mais il y a eu beaucoup de gens qui ont fait la boxe dans la famille. Ils ont juste marché dans la voie de cet oncle. Le frère de Kumbo, c'est un excellent boxeur. Ne blaguez pas avec lui. Moi, j'étais le pire de boxeur. Mais on peut. Moi, j'étais zéro. Zéro. Quand on faisait des sparring de boxe, quand on me tapait trop fort, ben, ça dégénérait. Et puis, j'allais te suivre jusque chez toi. C'est le fair play. J'étais pas un bon boxeur. Le frère Mutombo, on peut dire aujourd'hui que, waouh, lui, il a été vraiment celui qui aurait pu être à la place de tel homme. Pas parce qu'il se ressemble ou pas parce qu'il les remplace, mais parce qu'il a pris ses aptitudes, il a développé ses traits, il a suivi un peu le même chemin. Mais elle dit cela parce qu'au fait, Abel est mort.
Et puis, c'est comme si son cœur n'était pas consolé. Elle cherchait encore quelqu'un qui va être aussi dédié à la maison de Dieu, à la maison de Dieu, à la parole de Dieu, comme Abel l'était. Mais finalement, quand il voit Seth qui vient et qu'il montre ses mêmes prédispositions, il dit, waouh, lui là, c'est lui vraiment qui va remplacer Abel. Oui. Dans le temps, est-ce qu'on attendait aussi avant de donner le nom à l'enfant? Oh, ça, je ne sais pas. Parce que sinon, j'allais dire, mais comme si elle avait donné le nom à la naissance, comment elle savait qu'il aurait eu des... Non, elle a donné le nom de Seth. Elle n'a pas donné le nom d'Abel. Oui, elle a donné le nom de Seth, mais comment elle allait savoir que comme il ressemble à Seth? Non. Parce que quand il dit Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, je pense qu'entre les deux là, c'est pas le même jour. Je ne pense pas qu'il est né et puis il dit, oh Dieu me donne un autre fils à la place d'Abel. Non. Je pense qu'il a dit même 20 ans après la naissance. Mais c'est justement que c'est condensé. Oui. Je ne sais pas, la Bible ne nous le dit pas, mais ce n'est pas parce que la Bible ne le dit pas que cela n'a pas été fait. En fait, j'essaie de comprendre que Père Abel passe à Dieu pour Dieu après le coup de l'examen. Et moi, je me dis que Abel est mort finalement. Il n'a pas remercié Dieu. Non. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. Là, tu pousses un peu la musique un peu loin. C'est pas ça. Je vais te dire pourquoi. Parce que, premièrement, ce n'est pas parce que la Bible ne nous donne pas ces détails que ces détails n'est pas là. Deuxièmement, je vais te donner un autre truc. Ça, je vais te donner un exemple. Hein. Voilà. Ça, c'est une histoire que mon enseignant d'études bibliques m'a donnée. Mon enseignant d'études bibliques, c'est le frère Hector. C'est lui qui m'a enseigné l'étude biblique. Donc, tout ce que je vous enseigne, c'est de sa faute. Mais non, il dit, lui, il a eu 3 enfants. Son premier enfant s'appelle Carlos. Son deuxième enfant s'appelle Ricardo. Troisième enfant, une fille s'appelle Anna Maria. Il dit, ils ont eu le premier bébé, Carlos. Oh, Carlos. Tu sais quand le bébé... C'est le premier bébé. Hein, il est né, il grandit. Tu vois, là, un jour, Carlos est à terre, il est en train de jouer avec la brosse à cheveux. Et quand il voit Carlos mettre la brosse à cheveux dans la bouche, oh non, panique! Le bébé a mis la brosse à cheveux dans la bouche. Il prend le bébé, arrache la brosse à cheveux, va dans la salle de bain, lave la bouche du bébé, oulala, souffle dans la bouche du bébé, même pour aller vers le corps. Deuxième enfant, Ricardo, il joue avec la brosse à cheveux, il met la brosse à cheveux dans la bouche. Il ne faut pas jouer avec la brosse à cheveux. On enlève la brosse à cheveux, on met plus haut où l'enfant ne peut pas toucher. Troisième enfant, Anna Maria, à la brosse à cheveux, joue avec la brosse à cheveux, met la brosse à cheveux dans la bouche. Elle est en train de manger la brosse à cheveux. Il y a une évolution. Tu sais, il y a des choses qu'on a fait pour le premier bébé, qu'on ne peut pas toujours faire pour le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Mais cela ne veut pas dire que le deuxième bébé est moins aimé. Mais le point n'est pas là. Le point, c'est que quand Ève a son premier bébé, et qu'elle voit que c'est un garçon, elle est convaincue en elle-même que c'est le Messie. Elle est convaincue en elle-même que c'est le Messie. Oui, Genèse 3, 15. La conviction, cette conviction, je veux dire.
c'est parce qu'elle le dit. Elle le dit. Comment est-ce censé savoir qu'elle fait autant? Parce que la promesse a été donnée et c'est la seule. Le Messie, c'est la seule cas où tu peux faire un enfant avec l'aide d'un enfant. Il n'y en a pas d'autre cas. Tu peux faire un enfant avec l'aide de Dieu. Il n'y en a pas un autre cas. Il n'y a qu'un seul cas du Messie. Sinon, on aurait deux, trois, quatre Messies. Il n'y en a qu'un seul. Elle espérait que c'était ça, mais ce n'était pas ça. Et ce n'est pas parce que si ce n'est pas ça, il n'y a rien d'autre. Il n'y a aucune autre promesse dans la Bible qui peut compter cela. C'est que Dieu lui a promis que tu auras un enfant qui sera ta sémence. Si c'est ta sémence, c'est que je n'ai pas l'aide de l'homme pour faire cet enfant, c'est Dieu qui va m'aider à produire cet enfant. Et c'est seulement la Vierge Marie qui a produit cet enfant. Mais écoutez, si tu étudies, il y a ceux qui font l'étude du peuple hébreu et ils peuvent te démontrer. Par exemple, on a le nom Josué. Tu sais l'origine vraiment du nom Josué, c'est à cette promesse. Parce que tout le monde, toutes les femmes des Juifs espéraient qu'elle allait être cette dame qui allait amener le Messie dans le monde. Et il y a eu plusieurs Yéhoshua avec l'espoir que ça allait être lui, le fils que Dieu allait utiliser. Mais ça, on sort vraiment du cadre biblique. Mais quand on dit elle conçut, elle dit, je formais un homme avec l'aide de l'Éternel. C'est parce qu'elle espérait que c'était la sémence de la femme. C'est tout ce qu'elle espérait. Et tous ceux qui étaient conscients de cette promesse espéraient que Dieu va finalement envoyer le Messie et qu'il va mettre un terme à nos souffrances. Surtout eux qui avaient goûté à la vie dans le jardin d'Éden. Maintenant, galérer dehors. Ils espéraient que ça allait être là. Que Dieu allait le faire là. 4000 ans plus tard. C'est ça. Il y avait une autre question? Alléluia. Il n'y a pas d'autre question. On va conclure. Alléluia. On va battre nos mains pour le Seigneur. Bon appétit, servez-nous.